de la levée de l'état d'urgence, les opposants au régime de Bachar el-Assad semblent plus mobilisés que jamais. En ce vendredi jour de prière, des manifestations ont eu lieu à travers tout le pays. Ici, à Deraa, où a débuté la contestation, environ 10 000 personnes sont descendues dans la rue. Pour disperser les contestataires, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles dans plusieurs localités, à Douma, dans les faubourgs de Damas, mais aussi dans les villes de Homs et de Hama. Selon des témoins, il y aurait plusieurs morts et de nombreux blessés. Dans le centre de la capitale, un rassemblement de centaines de personnes a par ailleurs été dispersé par des tirs de gaz lacrymogène. Les mesures prises par le gouvernement sont donc loin d'avoir apaisé la contestation. Au-delà de la fin de l'état d'urgence, les Syriens réclament désormais la fin du régime.